Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières, cher major personnel de CHU. Comme promis, nous commençons aujourd'hui les vidéos sur les thématiques abordées pendant notre petite session de formation de ce mois. Question de vous aider à approfondir ce qui est appris, mais également à trouver des points d'appui quand les difficultés surviennent au niveau de vos activités professionnelles. Dans cette vidéo, nous tenons à rappeler ce que nous avons fait pendant la toute première séance, du moins la première séance où les cours ont commencé effectivement. On a vu ce que c'est qu'un ordinateur, ce quoi un ordinateur. Et nous avons répondu qu'un ordinateur est un système de traitement de l'information programmable et qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions organisées en programme qui lui font exécuter des opérations logicielles et arithmétiques. Et à partir de cette définition, nous avons dit qu'il y a plusieurs parties de l'ordinateur. Mais pour nous avons parlé des deux parties principales de l'ordinateur. Il y a le hardware et le software. En ce qui concerne le hardware, nous avons dit que le hardware désigne des composants physiques qui constituent l'ordinateur. Il est composé pour notre part de trois principales parties, à savoir l'unité centrale, le moniteur, le clavier auquel s'ajoute la souris. Et l'unité centrale, c'est une boîte contenant tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. Le clavier, la souris, l'écran, ils sont reliés. C'est dans l'unité centrale que sont insérés un disque dur. Par exemple, il n'y a pas d'unité centrale pour un ordinateur portable, tout comme pour la qualité d'ordinateur que nous avons utilisé dans la salle. Le moniteur est un périphérique de sortie usuelle d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées ou restituées par l'ordinateur sous forme de texte et d'images en deux dimensions, avec éventuellement un effet à trois dimensions. Le texte et les images peuvent être fixes ou animées. Après, il y a le clavier. Donc, le clavier, comme vous le savez, c'est en anglais, c'est keyboard. Généralement, c'est un peu comme un bic pour la machine. Ça permet d'écrire, de saisir des caractères, lettres, chiffres, symboles, etc. Après, il y a la souris. Pour notre part, c'est ce qui permet de bouger et d'activer le curseur, de bouger le curseur, comme on a dit. Mais il peut y avoir des souris incorporées, que, par exemple, dans le cas des souris des ordinateurs portable où la souris est incorporée. Ça permet de faire bouger la machine sans toutefois utiliser les claviers. À la deuxième partie, on avait parlé de software. Le software est un logiciel d'abord ou tout autre programme interne d'un ordinateur qui concerne l'aspect dématérialisé et rationnel l'informatique. Comme tel, le domaine de software renferme plusieurs programmes. Pour notre part, nous choisirons de nous initier à deux de ces programmes, à savoir le Microsoft Office Word et le Microsoft Office Excel. Nous n'allons pas peut-être maîtriser ça, mais nous allons nous initier pour comprendre au moins de quoi est-il fait et comment est-ce que nous pouvons utiliser les vertus, les dispositions de ces programmes pour pouvoir faire avancer ou bien être fructueux dans notre travail. Voilà la première vidéo. J'espère que si vous n'avez pas compris les tutoriels, vous pouvez également lire l'article qui est présentement sur notre site pour mieux comprendre et même très développer ce que nous avons dit un peu sur cette vidéo. Merci de nous avoir suivis, cher major, et aussi d'autres abonnés d'Informatique sans frontières, réseau de partage des connaissances.